Et la rondelle revient. Là, il y a Cloutier sur la patinoire. Et là, oh, Parker! Quelle mise en échec de la part de Derek Parker. Et Malouin qui va aller s'en prendre. Il y a Cloutier qui est là. Et c'est parti. Cloutier et Malouin qui dégaine. Ça sera le combat Malouin-Parker. Quelle mise en échec de Parker. De Parker. Malouin qui passe son excellent casque. Combat et Parker qui livre un de ses meilleurs cette saison. Là. Et Parker qui chute. Les deux hommes vont s'arrêter. Et la foule se lève ici au Colisée de Laval. Tout ça a commencé avec toute une mise en échec de Parker. Et là, je ne sais pas si vous avez vu ce que Dominic Malouin vient de faire. Il vient de passer devant son banc en disant « Réveillez-vous les boys, la game est commencée. » Et ouais, on va y aller du côté de Thibault face à Rock. Le futur face au présent passé, Rock contre Thibault. Et jusqu'à maintenant, ça va quand même pas si pire pour Thibault, mais Rock vient d'en donner une bonne. Et un autre bonne de Rock, et un autre bonne de Rock là-dessus. Mais Thibault qui repousse. Et là, c'est vraiment au vent du côté des deux. Et le Rock qui continue à frapper. Et là, Thibault qui vient de tomber, mais il se relève. Continue à prendre les coups de poing contre Rock. Et là, quel coup de poing Rock là-dessus. Et Thibault qui en a pris pour son argent, mais wow! Le jeune en a pris pour son argent, mais est resté debout face à Rock. Et ça, si ça... Un petit avant-goût, un petit apéritif, mais là, c'est la belle face à Thibault. Thibault qui va entrer. Les deux hommes s'agrippent. Oh, quelques bons coups. Oh, et là, ça de part et d'autre. Oh, là, ça frappe, complètement ouvert. Messieurs. Complètement ouvert. Oh! La belle qui a porté les premiers coups, mais tout de suite, Thibault qui a répliqué. Est-ce qu'on va y aller pour Rock et Amel? Il y aura combat entre Dave Amel et Gabi Rock. C'est rare des combats en match numéro 7, mais là, on va avoir droit à un combat au centre de la patinoire. Rock face à Amel. On sait, lors du match numéro 1, ça avait donné tout un combat. Et là, Amel là, qui rentre de bonne gauche. Rock qui réplique. Et là, ça frappe à qui mieux mieux. Quel combat au centre de la patinoire! Les deux joueurs qui vont plusieurs gauches, et là c'est Amel qui tombe sur Gabi Rock. Quelle prestation des deux hommes forts des deux équipes. Là on fait signe à la foule du côté d'Amel, Gabi Rock qui fait signe au banc de se retracer. Quel combat entre les deux hommes, ça pleuvait de coups de part et d'autre. Je pense que... C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est bloqué, retour. Cloutier était dans la clave. Et là, le filet est sorti. Parker avec un sucker punch au visage de Chris Cloutier. Un autre sucker punch au visage de Cloutier. Et c'est deux fois coup sur coup, sans rejeter les gars, qu'on descend les coups au visage de Chris Cloutier. Ça, c'est Derek Parker qui enlève. C'est Rupass sur les doigts de visage. Quel coup de poing de Rupass. Parker avec un jab sur Parker. Wow. Quel combat qu'il vient de Rupass. Gabriel Rupass, on le sait, il est capable de frapper et c'était trop pour lui. Il a décidé d'y aller. Il a vu les... comme s'il a marqué. Derek Parker, sauvé, serre de partout dans le visage. Gabriel Rupass avec la célébration. Et Parker, tout pour le visage, son chandail est plein. Qui invite Veilleux. Et on va y aller. Alors, on va régler quelques comptes. Veilleux contre Amel. Deux poids lourds quand même. Et quelques coups qui sont portés. Et là, Amel en a donné quelques bons, mais Veilleux qui réplique. Encore quelques bons. C'est vraiment un combat pour hommes présentement. Et ça se poursuit, là, Veilleux qui en donne quelques-uns encore à Amel.
Et là, Veilleux qui commence à avoir le dessus, mais Hamel qui revient. Et là, quelques bons coups d'Hamel encore. Ça a été un combat pour homme, Maxime. Oui, effectivement. Disons qu'on s'est échangé des coups de poing à la tonne. Oui. Ça a été un des bons combats de la Ligue nord-américaine que j'ai vu dans les dernières années. Et d'ailleurs, tu parlais d'aile de poulet tantôt. Je passe, mais c'est bloqué. Et là, il y a un combat. Bourque j'ai manqué ce qui s'est passé, là, mais combat. Les deux capitaines qui s'affrontent. Adam Bourque contre Jean-Philippe Chabot en zone des éperviers. C'est la deuxième fois que ces deux-là s'affrontent cette année. Et là, oh, quel! Droite d'Adam Bourque directement sur le capitaine Chabot. Et là, Adam Bourque qui fait signe avec son poing. Wow, quel coup de poing. Et là, j'espère que le capitaine des 3L est correct. Là, on voit le capitaine des 3L qui est sonné. C'est pas des scènes qu'on veut voir, là. Je pense que la foule a apprécié, là, le coup. Je suis pas certain. Il va avoir un autre combat, un deuxième combat. Et cette fois, c'est Francis Wattier. Et ça se tramait depuis la première période, ces deux-là. Là. On les avait vus en discussion en première. Wattier qui n'est pas nécessairement un bagarreur, mais il est quand même de grand format. Capable de prendre soin de lui-même. Alors les deux qui se retiennent, on tente d'asséner quelques coups. Oh, il a des gauches de la part de Wattier. Paquette qui fait signe à la foule. Paquette qui frappe à son tour et on a un pas mal meilleur combat que le précédent. Exact. Oh, et là, Wattier, deux bonnes gauches. Paquette qui a passé un uppercut la droite. Oh oui, encore une fois. Mais les juges de ligne qui attendent encore, on a un bon combat. Qui avait mis sa main dans le de et Wattier qui le renverse. La foule qui signifie son accord et son approbation du combat. Les deux vont se faire. Et là, Wattier qui a des mots à adresser. Chapelle 10, ça lui a joué un petit peu là, justement, à nouveau. Là. Un but qui a fait mal à la confiance du gardien. Et là, du côté de Dave Hamel, on va vouloir donner du momentum à son équipe. Ouais. Un duel d'Hamel contre Rock. On s'étudie au centre de la patinoire. Et là, on tente de placer le premier coup du côté d'Hamel. Et là, on rentre. Hamel, il va avec des gauches. Et le Rock qui réplique. Le Rock qui donne des bons coups. Hamel également. Et là, wow, là, c'est ouvert. Quelle bonne gauche. Quel combat. Et là, ça n'arrête pas. Wow, quel combat des deux hommes. Et là, on atteint la cible à plusieurs reprises des deux côtés. Et on reste debout. Et ça continue. Et là, le chandail de Rock qui va sur son chandail. Et là, Dave Hamel vient de faire son travail. Là, le banc du coup, l'FM qui est debout. Même chose du côté de Gabi Rock. Là, les partisans, il y a quelques partisans debout. Et là, quel combat du côté des deux hommes forts. Wow. Vraiment, là, un des combats de l'année. Ici, au Bévitré, c'est maintenu en territoire et punition, là. Ouais. Le combat entre Verpass et Lozier. Ouais. Et là, c'est Bellemare et Danick Malouin. Et là, c'est on s'échange les coups là, entre Verpass et Lozier. Oui. Et Verpass qui y va. Et Lozier de la gauche. Mieux. Et Verpass de la droite. Là, c'est Lozier qui revient avec la gauche. Et Verpass qui. Et ça frappe. Ah oui, et ça frappe. Tout un combat, Mario. Là, le casse de Lozier a sauté. Verpass n'a pas eu. Pas l'air d'être un joueur s'il n'est pas reconnu capable de prendre soin de sa propre personne. Donc c'est un des violents combats depuis le début de la saison. Ouais. Et on l'a mentionné, ces deux-là se cherchaient aussi hier soir. Et là, Verpass, en quittant le banc, s'adresse avec Bellemare, qui lui avait été dès lors reconduit au cachot par un des juges de ligne.